Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les fans de foot. Voilà, je cherche désespérément sur internet ou partout, dans les boutiques aussi, des t-shirts, des casquettes pour le mondial, pour l'euro, excusez-moi, qui va se dérouler en Angleterre en juillet prochain. Oui, l'euro. L'euro de foot. Oui. Actuellement, je vois beaucoup de maillots de l'euro 2021 de foot masculin. Mais moi, ce que je voudrais, c'est 2022 du foot féminin. Bien sûr. Mais il n'y a pas. Ils recyclent l'année dernière et ils oublient ceux de cette année. C'est-à-dire que quand je tape sur Internet, ce que je veux, j'ai des t-shirts de l'année dernière, taille féminin. Avec, dans le dos, le nom des footballeurs masculins. On est d'accord. Moi, ce que je veux, pas forcément le nom des joueuses, non, mais un t-shirt de l'Euro 2022 pour supporter l'équipe féminine de football. Hein? Et comment faire pour que ça se vende? Eh ben, faut déjà les faire, déjà. Utiliser les mêmes tactiques pour le foot masculin. Il faut en parler, il faut... C'est aux chaînes de se bouger les fesses pour le faire. Même tactique que pour le foot féminin, masculin, pardon. Hein? Je vous rappelle qu'au début du foot féminin, ça cartonnait énormément grâce à Alicia Amilia, hein? Qui avait créé le foot féminin il y a un certain temps, un temps certain. Sauf que quand elle est décédée, personne n'a pris le relais. C'est retombé. Là, il faut se réveiller. Hein? En plus, elles sont excellentes, les footballeuses, malgré ce que disent les fans du foot masculin. Elles sont excellentes. Regardez un match, vous allez voir. Si vous n'avez pas l'esprit mal tourné.